Dans la matinée du 11 septembre 2023, une jeune femme de 24 ans est morte après avoir été victime d'une balle perdue qui a été logée en pleine tête. Elle se trouvait dans sa chambre et cet événement a eu lieu à Marseille. La mère de Sokaina, qui s'appelle Leila, elle a assisté à la scène. Du coup, elle a vu sa fille mourir dans une rivière de sang, comme elle l'a qualifié. C'est horrible, les gars. Et du coup, bah, Sam en a parlé. Je vous mets la vidéo et on se revoit à la fin. Marseille, Marseille, ça attire tout le temps. Bon, ça attire tellement tout le temps que même une lycéenne, une miskina, une inconnue, elle a reçu, elle est morte. Bon, Ktab Rabbi, j'ai envie de dire. Là, on peut dire que c'est vraiment le destin. Une femme enfermée dans sa chambre en train de réviser, elle reçoit une rafale. Tu pourras pas dire qu'elle est dehors, tu pourras pas dire que. Allah irahem, moi j'ai que ça à dire. Moi, il y a un truc qui me rend fou. C'est la starification de tous ces bang-bang là. Tu vas sur TikTok, il y a des trends carrément sur les gens de Marseille qui tirent, sur ceux qui donnent des ordres, sur tellement que ça bande, tellement que la vie humaine, les gens, ils en ont rien à foutre. Tellement c'est des bandeurs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me désole. Et moi, c'est ça qui me rend fou. C'est la starification de tous ces bang-bang là. Ah, c'est normal, vous êtes tous des bandeurs de Netflix, ainsi de suite. Wallahi l'azim, allez voir sur TikTok ou n'importe où. Hein, Franck Jo, il y a des trends où ça les pompe. Ça pompe des gens qui ont tué des gens pour rien. Va voir dans les commentaires. Ah ouais, non, je le connais. Ouais, il est des Cévennes. Ouais, il est de ce quartier. Non, non, il n'est pas de ce quartier, il est de mon quartier. Ah non, 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 non. Bande de trous de balles que vous êtes tous, génération à vomir. Wallahi l'azim, génération à vomir. Allah irahim à la petite, hein. Franchement, qu'Allah atténue la douleur de sa famille et la fasse rentrer au paradis, miskina. Mais c'est terrible. Tu vois, moi j'ai plus. Je suis arrivé à un point où j'ai limite plus la mort contre cette génération qui pompe que pour ça. C'est terrible. Wallah, c'est terrible. Miskina, miskina sa mère, miskina tout le monde. Et wallah, les gens. J'ai envie de vous dire, arrêtez de faire des enfants, limite, limite, il faut arrêter. Allah, la France et ses maghrébins, tu vois, la France et ses maghrébins, quand tu sais que nos arrière-grands-parents étaient venus ici pour travailler, maintenant nous on est une génération de bandeurs, les maghrébins c'est des bandeurs en France, bandeurs du crime, bandeurs de rap, bandeurs de michto, c'est que des bandeurs, maintenant c'est même des bandeurs d'hommes. Ils bandent sur les hommes des autres communautés. C'est terrible quand même, hein. Voilà ce qu'on est devenu. Hashma alina. Wallah hashma alina. Voilà. Et après vous me dites, bah c'est pourquoi t'es tout le temps énervé? Tu sais, t'as un truc, j'ai envie de rire avec eux. Je suis sur internet pour faire le clown. Non les gars. Il y a une gamine qui est morte, arrêtez de plaider. Oh, elle était dans sa chambre, miskina. Et ça, pourquoi? Pourquoi? T'as tiré tout le temps. Quelle honte, wallah il a dit. Le pire, c'est que ces gens-là, ils vont. Les gens, ils vont parler d'eux. Qu'est-ce que tu veux que je te... Ah oui, 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 ils vont parler d'Ine avec ça. Et le pire, c'est qu'ils sont même capables de venir faire salade Janeza. C'est fou, les mecs, ils butent et ils viennent faire salade Janeza. Allah irahmou et tout. T'as vu pourquoi je me suis attaqué à ces musiques, même si j'en ai rien à foutre d'elles ou d'autres? Quand t'entends cette musique, wallah il arrive, c'est le pédigré de toutes les bandeuses de voyous. Ni dans din, ni dans shit. On vous le dit déjà, je fais des doigts pour sa cargaison qui passe. Elle n'a rien à voir avec tout ça, mais ça véhicule une image qui fait que. Et c'est la réalité. Ça fait doigts avec 400 kilos dans le coffre. Qu'est-ce que je te dis? Allah irahim, allez, salam alaikum. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Je suis en train de bosser sur d'autres concepts. J'espère que vous serez présents quand ils sortiront. Abonnez-vous à la chaîne, like, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.